911 emergency? I need help. Somebody's trying to kill me. All right, just stay on the line. I'll just be off a moment. Sir, I'm going to connect you with an officer. Okay. Je veux dire, je n'ai pas de plainte au niveau physique. Je ne parle pas des clashs sur YouTube ou si tu crées une chaîne à mon avatar, je vais te dire, je m'en fous, ça ne me touche même pas. Mais, personnellement, radical, je veux dire, je n'ai pas de plainte contre toi. À titre personnel, en mon nom personnel. Maintenant, si tu cherches à me dégommer la gueule sur un plan physique, François Radical, je vais te mettre une brigade comme jamais tu as eu sur le dos. Et là, tu vas morfler. Je te le dis. Et toi, moi, je suis en France, je suis pas en Colombie. Je suis pas à Bogota, là. Sinon, je me prendrai autrement. Il n'y a pas de menace, hein. Parce que là, il y en a marre. Quand tu reçois un coup de fil d'un mec ou d'une nana qui te dit un tel veut te casser la gueule dans la rue, d'accord. Bah, radical. Radical, si t'as des burnes, tu viens me voir dans ma ville. Quand tu veux, moi, je t'attends d'homme à homme. Mais à mon avis, tu vas tomber sur un gros morceau. Parce que là, je vais pas venir gentil, quoi. Toi, mes nerfs vont lâcher et ça va être mauvais. Faut pas jouer avec moi, hein, François Radical. Mes nerfs vont lâcher. Si mes nerfs lâchent, les rafales vont partir. Les rafales de coups. Je suis un mec nerveusement très violent. Toi, t'es rien à côté, t'es que dalle. Je t'ai vu physiquement, t'es que dalle. Je vais te prendre une rafale de coups, tu vas pas comprendre. Je vais pas en arriver là. Parce que si je fais ça, je finis en prison. J'en ai conscience, donc je dis quand même ce que je pense. Et merci à vous de me laisser parler, 30 secondes. Après, je vous laisse commenter ce que vous voulez, bien sûr. Mais moi, je vais utiliser la loi, François Radical. Pas la force physique pure. Mais moi, je vais utiliser la loi, François Radical. Pas la force physique ou la nervosité que j'ai, qui est monstrueuse. Physiquement, je suis moins fort que toi, Radical. Sans doute, j'ai 20 ans de plus que toi. Mais nerveusement, je suis monstrueux. Monstrueux. Tu peux demander à James, il me connaît très bien. Il m'a vu m'énerver, il m'a vu nerveux, il m'a dit non, Poutine, calme-toi, fais pas le con, machin. Ok. Ne joue pas à ça, Radical. T'es tombé sur un poids lourd, là. Sur plan nervosité, t'es tombé sur un poids lourd. T'es pas tombé sur une loque humaine de 200 ans. Fais attention. Alors moi, je vais utiliser la loi. Donc dès lundi ou mardi, je vais voir une brigade que je connais, faire un signalement. Je commence comme ça. Et si tu me chopes dans ma ville, attends-toi à vivre l'enfer. Tu vas vivre l'enfer. Quoi qu'il arrive, même si je meurs, c'est pas grave. Mais toi, tu vas vivre l'enfer, François Radical. Je te le dis de vive voix derrière un micro. La prochaine fois, c'est dans la rue. J'espère que tu m'as bien compris, François Radical. Donc, ferme ta gueule. Reste à ta place sur ta chaîne. Tu invites qui tu veux. C'est ton problème. Moi, je suis prêt à quitter YouTube. Je m'en fous. Mais ne me casse pas les couilles dans la vie réelle. Parce qu'il va t'arriver des bricoles comme jamais tu as eu de ta vie. Et là, tu vas souffrir. Juridiquement parlant, tu vas être dans une souffrance extrême. Voilà, j'ai peut-être tout dit, je ne sais pas. Je ne sais pas. Attends, Invisible, arrête avec... Bon, je t'emmerde, toi, dégage de là. Va te faire enculer, Invisible. Donc, James, je te laisse répondre si tu veux. Il te vise aussi, James. Hein. Je ne suis pas tout seul. Ok ? Oui, oui, je sais bien, je sais bien. Mais moi, je suis... Alors, Invisible, ferme ta gueule. Arrête avec ta brigade. Va te faire enculer. Tu ne sais pas ce que je fais dans la vie réelle. Ferme ta gueule, espèce de grosse merde. À toi, James, excuse-moi. Ah, moi, tu vois, c'est le 357, hein, direct. J'en ai rien à branler, tu vois. Mais dans les genoux, tu vois, c'est tout, pas plus. Tu vois, un genou en moins, ça fait pas de mal, tu vois. Moi, c'est comme ça que je marche, hein. Ça sera pas autrement, hein.